Déjà, bonne année. Ça va tout le monde? Ah ça! Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les ramés je veux ranger. Si te viennent eu des larmes, viens donc me les donner. Les chicans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie, en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Se moque de toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, je nous donne des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Amour, mon ami, Tiago. Mon ami, Tiago. Mon ami, Tiago. Tiago. La copine qui part, elle ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitanes, on est bon bricoleur. Tout le monde. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Tiago. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mont-de-Marsan, base aérienne 118. Ce matin, Kenji a rendez-vous avec Jack, commandant de l'armée de l'air et pilote de chasse chevronné. Bonjour Jack. Bonjour Kenji. Comment ça va? Très bien et toi? Bienvenue. Merci beaucoup. Ravi d'être ici et de pouvoir faire ce petit voyage tout là-haut. Depuis tout à l'heure, j'entends des rafales, c'est les rafales, c'est ça, voilà, tout à fait, qui hein. passent et qui repassent, donc ça fait déjà un petit, ouais. des petits papillons à l'estomac. Ça va bien se passer. Oui, j'ai confiance de nos pilotes français, ils sont bons. Allez. Kenji s'apprête à vivre son rêve de gosse, voler à bord d'un avion de chasse supersonique, le mythique Rafale. C'est parti pour 24 heures dans la peau d'un pilote d'élite. Mais tout d'abord, l'incontournable briefing sur les procédures d'urgence et le fonctionnement du fameux siège éjectable. Alors ça t'éjecte à peu près à 150-200 mètres au-dessus de l'avion. Ah ouais, donc on prend une accélération de 18G. Ah ouais, 18G. En 18G. Si moi je tire, tu partiras avec moi. Okay. Mais si toi tu tires, je partirai aussi avec toi. D'accord, donc on moi j'entends ton signal, j'avoue que ça fait réfléchir quand même. Ça fait un petit peu peur quoi. Au bout du couloir, un hangar, avec le fameux Rafale, prêt à décoller à tout moment. Waouh, voilà l'avion. Ah ouais, c'est... Fou. Belle bête, ça. Hein. C'est vrai que ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé faire, ouais, faire l'armée. Défendre la France, défendre les causes, la protection, tout. Voilà. Donc nous, on est là tous les jours de l'année, en permanence,
Bah, merci pour ça, les gars. C'est bien. Bravo, en tout cas. Son rêve devient de plus en plus concret. J'ai vu que Michel Drucker l'a fait aussi. Je me suis dit, Michel Drucker l'a fait, je peux bien aussi monter dans un Rafale. Quand soudain... Là, je peux rien faire, moi. Il ne s'agit en fait que d'une fausse alerte pour montrer à Kenji la rapidité avec laquelle les hommes sont prêts à intervenir. En moins de 7 minutes, le Rafale peut décoller. Il faut être aux toilettes en tout cas, parce que là, c'était compliqué. Demain, ce sera son tour de partir en mission. C'est le grand jour. Dans une heure, Kenji va décoller à bord du Rafale. Bon Kenji, ça y est ? Ça y est, enfin prêt. T'es en habit de lumière. Ne reste plus qu'à enfiler la combinaison anti-G qui aide les pilotes à éviter la perte de connaissance pendant les accélérations. On est prêt à y aller ? Allez, je te suis, mon cher Jack. Bon, je vais faire chauffer le Rafale. J'ai appelé mon père en fast time, il a dit « Petit, touche rien, hein. Touche pas les boutons, hein, tu connais rien. » Je fais « Non, papa, t'inquiète pas. Plus j'avance, plus je stresse. » Oh, tes jambes, hein. C'est bien, là. Ça va, on se sent à l'aise, ouais. Après, on verra au décollage. Dans les airs, ça va pas être pareil. Allez, 3, 2, 1, top. La mission simule la reconnaissance et l'interception de cet avion de tourisme en détresse. Dans ces cas-là, il existe des signaux qui permettent de communiquer entre appareils. En balançant ses ailes, le Rafale indique à l'avion qu'il doit le suivre. Jack lui montre le chemin jusqu'à la piste et sort son train d'atterrissage pour lui indiquer qu'il peut se poser. L'appareil atterrit, mission accomplie pour le Rafale, qui reprend sa route avec encore quelques sensations fortes à venir pour Kenji. Tu as les commandes ? Allez, vas-y, viens. Tu as les commandes ? C'est un petit pilote. Ah, là, c'est toi ? Ouais, c'est toi. Ah, oui, d'accord, c'est sensible, hein ? Ah, c'est sensible, hein ? Wouh ! J'ai connu un Rafale. Jack va tester la capacité de Kenji à résister aux accélérations et à supporter les fameux G. Écoute, on va faire un peu de sport. On va prendre 5-6 G. Hein. Allez, vas-y, avec plaisir. 5 G. C'est fou. Ça te plaît ? Ah oui, ça me plaît grave. Jack enchaîne avec 9 G. Allez, je suis prêt. C'est plus ça. J'ai failli m'éteindre. Ah ouais, c'est impressionnant le jet. Bien ferme. Bien, Jack. Merci beaucoup. Ah bah écoute, c'est grand plaisir. Kenji a résisté au maximum des 9G, comme un pro. C'est heureux et émerveillé qu'il atterrit sur la piste de la base, à peine décoiffé. Là, c'est la puissance intergalactique. Immense, mon frère. Merci, merci, Jack. Vraiment, je me rappellerai toute ma vie de cette expérience. Et son parrain, le commandant Jack, pilote de chasse sur le Rafale. Chapeau. Merci beaucoup. Alors, ça restera un grand souvenir. Hein. C'est impressionnant, c'est quelque chose de très puissant, que jamais j'aurais imaginé que ça soit aussi puissant que ça. D'ailleurs, c'est grâce à vous, Michel, que j'ai monté, parce que quand j'ai su que vous avez monté dans un oui. Mirage 2000, oui. Je me suis dit, bon, mais moi aussi, je peux monter dans un Rafale, alors. Surtout que j'étais avec Jack aussi, donc j'étais en toute sécurité, donc j'étais content.
Commandant Jack, qu'est-ce que vous en avez pensé de votre élève Kenji? Alors, eh bien, Kenji, j'ai trouvé quelqu'un de très authentique, de sincère. Et c'est vraiment ça qui nous a rapprochés. J'ai pu voir qu'il avait des valeurs intrinsèques qui étaient vraiment les mêmes que celles de l'aviateur en toute honnêteté. Hein. Il n'a pas joué de jeu. Et pour ça, c'était vraiment très fort. Il a démontré des qualités d'audace, l'audace que chaque aviateur possède. Il a fallu pousser les portes de la base aérienne, se mettre en place arrière d'un Rafale. Et également, on a pu échanger sur sa passion, la passion de la chanson. Et nous, c'est la passion du vol, la passion de servir le pays qui nous anime. Et c'est ça qui nous... Et Jack, je sais que ce soir, vous avez une pensée particulière pour vos camarades pilotes de chasse, parce que vous êtes avec nous en cette soirée de Noël, mais eux restent mobilisés sur le terrain. Hein. Oui, tout à fait, oui. Donc la mission qu'on a pu voir en vol, c'était le volet de la permanence, posture permanente de sûreté, incarnée par la permanence opérationnelle, qui est un des volets permanents de l'armée de l'air, une mission qui lui est dévolue. Donc H24, 7 jours sur 7. Donc ce soir, il y a des personnes qui sont d'astreinte, qui sont prêtes à décoller pour assurer la souveraineté de l'espace national français, pour protéger nos concitoyens, pour venir en assistance aussi à des appareils qui pourraient avoir des conditions dégradées de navigation, de problèmes moteurs, pour venir tout simplement les supporter. Et je pense aussi à mes camarades qui sont déployés en opération extérieure sur les territoires récents, hein, que tout le monde connaît, et qui eux aussi sont loin de leur famille ce soir. Et moi, si je vous dis que vous êtes un héros discret, ça ne va pas vous plaire. Je suis sûre que ça ne va pas vous plaire. Effectivement, le terme héros, je pense que même les pompiers pourront répondre la même chose, c'est qu'ils ne se sentent pas du tout héros. Je dirais qu'on est des gens en fait ordinaires qui ont des métiers un peu extraordinaires. Ça, c'est grâce au travail, c'est grâce à notre volonté, à la passion qui nous anime pour aller dépasser ses limites et protéger nos concitoyens. Ce qu'il faut voir derrière, c'est que si on peut faire notre mission avec un tel succès, c'est qu'on s'y entraîne. Et c'est également que derrière nous, il y a toute une chaîne de personnes qui, avec rigueur, avec précision, font leur métier au quotidien. Les contrôleurs, les mécaniciens, les logisticiens. C'est tout un ensemble cohérent qui fait qu'on arrive au bout de la chaîne en tant que pilote à faire notre mission opérationnelle. Bon, commandant, quand vous étiez môme, vous avez demandé une maquette d'avion pour Noël ? Oui, et plus d'une d'ailleurs. Ah, vous rêviez déjà à ce métier ? Oui, c'était une vocation. Alors, elle n'osera pas vous le demander, Marie-Sophie, mais est-ce que les femmes ont déjà volé sur Rafale? Et il y a combien de femmes pilotes de Rafale ou pilotes de Mirage en France? Alors, je parlerai pour la partie Rafale, que je connais un peu plus. On a effectivement une pilote qui est sur la base de Mont-de-Marsan, qui est donc pilote opérationnel sur la machine. Et on a d'autres équipages sur Mirage 2000, notamment sur la base de Nancy, où il y a des équipages féminins, aussi bien pilotes que navigatrices. Donc on a une armée assez féminisée, on est à peu près à 20-25% de féminisation chez nous, ce qui est assez remarquable au final. Mais ce soir, sur la base de Port-Bouët ici, il y a aussi des femmes. Noël avec nos soldats, sur la base de Port-Bouët, les forces françaises de Côte d'Ivoire. Kenji, maintenant que tu es remis... Oui. Tu vas te livrer un exercice où tu vas encaisser un G seulement. D'accord, un G de bonheur. Allez, un G de bonheur. Le pilote de Rafale, Kenji Girac, va maintenant reprendre son métier. Il va chanter Gitano. Merci. C'est une façon de voir la vie, un peuple plus grand qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un port où c'est tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, un coro gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur. Coro gitano. Pour ceux qui la connaissent, chante avec moi. Gitano. Merci beaucoup. El color de mi cielo. Asa. Gitano. Le cœur qui va sur ma peau. Tout le monde, amour. Gitano. El color de mi cielo. Gitano. Le cœur qui va sur ma peau. Gitano. C'est des guitares de nuit sans fin. Les mots chaleureux des anciens. Le respect et les liens.
Ton regard foisonne le mien, tout au milieu du chemin, et soudain tu deviens mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor. Color gitano, ma passion, ma raison. Merci.